7 ans après, ça fait un peu les mecs qui n'ont rien foutu pendant 7 ans, alors que si mes calculs sont justes, on a quand même pas mal bossé pendant toute la décennie. Là. On a fait déjà deux albums studio, trois albums live, on a fait trois spectacles différents sur plus de trois tournées. Enfin, on n'a pas arrêté, on a même commencé sérieusement ce nouvel album pendant cette période. La réalité, ça ne m'a jamais beaucoup branché. Pour donner un exemple, si je veux écrire sur une ville, il faut surtout que je n'aille pas dans la ville. J'ai essayé sur Venise, tout ce que j'ai ramené, c'est Store Vénitien. Ça ne fait pas une chanson, vraiment. Et par contre, quand on a fait Reykjavik, elle existait bien avant qu'on y aille, finalement, avec Lucas et puis aussi avec Hugo. On a fini par faire le voyage à Reykjavik pour vérifier si dans la chanson je me plantais pas trop dans le texte, quoi. Donc la réalité, c'est pas mon truc, quoi. Il faut que ça parte directement par l'imaginaire. Je suis plutôt déjà projeté dans ce qui va venir après. Pour moi, ce disque, on l'a vécu pendant qu'on le faisait. Maintenant qu'il sort, il appartient aux autres et il faut savoir aussi l'abandonner un peu. Je sais pas, il y a eu tellement de vies différentes depuis que j'écris des chansons. C'est-à-dire, j'ai commencé à écrire, j'avais 15-16 ans. J'ai un souvenir un peu obsédant qui me vient assez souvent, c'est quand j'étais étudiant, 18-20 ans, j'avais déjà quelques chansons d'avance. Et je me souviens, après avoir terminé une chanson, je me posais la question de savoir si j'allais pouvoir écrire une autre chanson. Et je crois qu'à chaque chanson, je me pose la même question, est-ce que c'est pas la dernière, quoi. Moi, je sais pas ce que ça veut dire, le mot engagé. Pour moi, c'est un truc de militant dans une action politique ou religieuse ou sportive. Et là, je me sens pas du tout engagé, en fait. Je fais partie d'aucune coterie. Moi, je pratique la solitude à un stade assez élevé. J'ai du mal à penser avec les autres et en étant avec les autres, j'ai du mal à marcher au pas dans une manif. Je sais pas faire ça. J'ai senti assez vite que Lucas avait envie que je chante sur cet album. Mais c'est amusant parce que j'ai connu des réalisateurs qui me faisaient murmurer ou aplanir le chant, justement. Là, c'était le contraire et j'ai pris du plaisir aussi à m'engager dans cette voie qui était difficile. Parce que quand Lucas se met à écrire, lui, à composer la musique d'une chanson, c'est le chanteur, il faut qu'il se lève aussi le matin. Hein, y a pas... C'est ça qui m'a intéressé un peu le côté de Robert Wyatt, un peu dans Moon in June. Ça m'a branché vraiment de me mettre à chanter, finalement. C'est très, très libérateur. Le choix des compositions, à la base, amenait quand même à des parties très mélodiques et très, on va dire, un peu pop. Enfin, moi, je ne me pose pas trop la question. Le rôle du chanteur, c'est de chanter, quoi, donc autant le faire le mieux possible, quoi. Quand tu t'es mis à composer certains titres, j'ai compris que j'avais bien compris, quoi. Moi, je pensais que c'était pop rock, mais avec un petit peu d'électro, et ça m'attirait vraiment. Mais je sais que le mot électro. Ce terme, pour moi, correspond à des choses plus datées, la fin des années 90, début des années 2000, et qui ne sont pas forcément du tout en rapport avec de la chanson. Donc d'où cette petite crainte de ce mot. Mais non, pour moi, ce disque, c'est un album de chansons qui est sorti en 2021 avec les outils qu'on a en 2021. Moi, je crois qu'il faut être honnête avec soi-même, déjà. Enfin, moi, j'essaie d'être honnête avec moi-même. Et disons que ça m'intéresse de prendre des risques aussi. Parce que
quand on ne prend pas de risque, ben, on s'étiole un petit peu et on finit comme les acides Rimbaud, quoi. On est une sorte de bourgeois dans son monde, même si son monde est rebelle et révolutionnaire, on finit quand même en bourgeoisie.